Bonsoir à tous. Coup de projecteur cette semaine sur Haïti, traversée depuis plusieurs semaines par des tensions sociales importantes. Décryptage dans quelques instants avec notre invité, le père haïtien Emmanuel Saint-Hilaire. Et puis l'actu des églises. C'est aussi le sommet au Vatican sur la protection des mineurs qui s'est tenu à Rome du 21 au 24 février. Nous aurons un regard venu d'Afrique, celui de Mgr Joachim Ntaon-Derey, président de la Conférence des évêques catholiques du Burundi. Et puis en Centrafrique, un accord de paix a été signé le 6 février entre le gouvernement et les groupes armés. On, a, on entendra le point de vue de Béatrice Epaille, ancienne ministre centrafricaine. Mais tout de suite, ce qu'il faut retenir sur Haïti. Haïti est un pays des grandes Antilles, sa population atteint près de 11 millions d'habitants, c'est le pays le plus pauvre du continent américain. 78% des Haïtiens vivent avec moins de 2 dollars par jour. L'annonce en juillet dernier d'une hausse des prix des carburants a mis le feu aux poudres depuis le 7 février. Des manifestations souvent violentes paralysent l'activité économique d'Haïti. Des dizaines de rassemblements ont eu lieu à travers le pays pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse, mais aussi de meilleures conditions de vie. Au moins sept personnes ont été tuées en marge de ces mobilisations populaires baptisées Opération Pays pays bloqués, qui ont causé d'importants dégâts matériels et bloqué les axes majeurs de circulation à Port-au-Prince, la capitale. On y reviendra. Côté religion, les catholiques sont autour de 55 les protestants 28,5 les vaudous 2,1 et les autres religions. 4,4%. Agnostique et athée se situent autour de 10%. On retrouve tout de suite notre invité, le Père Emmanuel Saint-Hilaire. Père Saint-Hilaire, bonsoir. Merci de nous retrouver. Vous êtes haïtien originaire de la région de Gros-Morne, jésuite, écrivain. Vous avez collaboré en tant que responsable de communication à Foi et Joie Haïti, une ONG jésuite engagée dans l'éducation populaire et la promotion sociale. Vous avez enseigné la philosophie à l'Université épiscopale d'Haïti. Je signale votre ouvrage publié en 2015, Plaidoyer pour l'espérance en Haïti, qui est un appel à l'engagement citoyen en faveur de la démocratie. Et vous êtes à Paris depuis deux ans maintenant, vous poursuivez une thèse en philosophie au Centre Sèvres. Alors vous êtes reparti dans votre pays, c'était il y a quelques mois, c'était au mois d'octobre. On va essayer de mieux saisir ce qui se passe dans votre pays. Comment est-ce que vous vivez-vous cette crise en étant ici Quel regard vous portez sur ce qui se vit en Haïti en ce moment Bonsoir, Madame Stéphanie. Je suis très heureux d'être ici sur ce plateau pour vous parler d'Haïti, de mon pays. Et finalement, étant ici à Paris, je suis très content parce que vous me donnez la possibilité de faire un retour, de retour pour aller jusqu'à Haïti et puis vous parler de, de ça. Alors, étant ici, je vis avec beaucoup de, de, de sentiments, mm -hmm. je dirais, et finalement, ce que le peuple est en train de vivre actuellement en Haïti. C'est une situation complexe et étant comme haïtien, on ne peut pas dire que ce n'est pas notre affaire, même mmh. si on n'est pas au pays. Mmh. Alors là, donc, on essaie de regarder, d'observer et ensuite de voir comment euh, aider le pays à sortir de, de ce problème. Alors on a l'impression quand même qu'Haïti est traversé par des crises euh, successives, à la fois sur le contexte politique, social, économique. Il y a aussi toutes ces tragédies euh, naturelles qui ont frappé votre pays. Je pense bien sûr au séisme de janvier 2010. Est-ce que c'est un, un recommencement Est-ce que cette crise est, est finalement. Une énième crise, ou est-ce que c'est autre chose qui se joue en ce moment <laughs> Définitivement, on parle toujours euh, de crise quand on parle d'Haïti, euh, ou bien on dit que c'est un pays très pauvre. Moi, je récuse toujours euh, cette affirmation donc euh, au nom de la vérité et de justice et d'équité, parce que c'est également un pays appauvri. Ben, pour la question des crises en Haïti, il y, y a eu toujours des crises. Mm. Euh, depuis 1990, en passant euh, par les, les années 2000, 2003, 2004, et arrivé à 2010 avec les, les catastrophes naturelles comme euh, les tremblements de terre. Et tout récemment, euh, le tremblement de terre qui a frappé ma ville natale. Donc actuellement crise politique, sociopolitique à cause de l'irresponsabilité euh, de, de, des autorités. Mm -hmm. Moi, je parle de l'incroyable et même de l'insoutenable légèreté des autorités haïtiennes dans la gestion des affaires de l'État. Et également, il y a... Une opposition qui n'arrive pas à proposer mm -hmm. ou à créer du neuf, mm -hmm. alors ça, là, on voit qu'il y a la corruption, ce problème Pourquoi de la corruption. Est-ce que cette opposition n'arrive pas à s'affirmer ben, C'est-à-dire que c'est une opposition plurielle. Mm -hmm. C'est-à-dire, chacun a, a son idée. Et finalement, il n'arrive pas à, à se mettre ensemble pour dire voilà, nous avons euh, quelque chose aller. à proposer à la société. Et maintenant, on voit que ce sont les jeunes. Donc qui, qui essaye de, de prendre le relais. C'est une nouveauté, voir comment, ça, c'est nouveau, ça. Une nou oui, oui, absolument, c'est une nouveauté. Parce que anciennement, donc, il y a, par exemple, les réseaux sociaux qui donnent une voix ou bien un espace aux jeunes pour qu'ils puissent euh, donc, essayer de dire leur point de vue, ça c'est nouveau. Comment est-ce que vous l'analysez Pourquoi est-ce que cette jeunesse maintenant euh, se soulève euh, Elle est mieux informée Qu'est-ce qui justifie ce, ce changement actuel Définitivement, parce qu'il y, y a des gens, des jeunes qui sont mieux préparés maintenant, mieux éduqués. qui ont euh, mais, et, mm -hmm. et, et, définitivement qui ont fait des études à l'extérieur du pays et même euh, euh, en Haïti également. Et puis euh, ils pensent que voilà, ils ont euh, quelque chose à dire, un mot à dire, une parole à dire. Mm -hmm. Et finalement, ils ne peuvent pas rester sans rien dire. Et je crois que c'est pour ça que les jeunes, actuellement, ils essayent de voir comment, euh, comment faire bouger les choses. On va revenir sur les racines de cette crise, cette colère euh, des Haïtiens avec cette grande mobilisation euh, qu'on n'avait pas vue depuis, depuis longtemps euh, chez vous. Euh, au cœur de ces revendications, eh bien, euh, les, les Haïtiens exigent transparence dans la gestion des fonds pétro-caribéens. C'est un programme de prêt qui avait été accordé depuis euh, 2008 par le gouvernement vénézuélien pour aider le développement social du pays. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer brièvement de quoi s'agit-il Maintenant, c'est-à-dire que ce que toute la société actuellement demande, ce n'est pas seulement la démission d'un chef d'État ou bien du président, mm -hmm. mais c'est la transparence également. Et euh, je dirais, c'est voir comment demander la reddition des comptes à Alors, partir de cette affaire nous. du pétro-caribé. Voilà, expliquez-nous Pétro-caribé, c'est une affaire donc, euh, euh, entre le Venezuela et certains pays de la Caraïbe. Mm -hmm. Et ces pays-là achètent du pétrole à un prix préférentiel. Alors, du coup, en Haïti, euh, il y a cet argent. Qui, qui a été euh, soit pas, pas donné, mais à partir euh, de, de ce projet, et il y a des projets, ça devrait financer des projets sociaux. D'accord, c'est-à-dire que les Haïtiens ont acheté du pétrole, du pétrole. À un prix préférentiel, préférentiel. Euh, on leur a fait une forme de prêt. Hein. De prêt, exactement. Avec cet argent, voilà, pour investir dans d'autres. Pour domaines. investir dans ouais. des projets sociaux, infrastructures mm -hmm. et autres. Mais ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'il y a des projets Cet qui n'ont pas, pas été injectés dans ces projets-là. Définitivement, -ce des, qui proj passé des projets qui n'ont pas été matérialisés oui. ou qui n'ont pas abouti. Mais ce n'est pas simplement le gouvernement euh, de, 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 de Seyan et de Moïse. Mm -hmm. Mais ça, ça a commencé depuis avec, avec Préval. C'est sur quatre gouvernements oui. environ. Donc, euh, il n'arrive pas. À faire euh, ce qui a été prévu pour le peuple. Oui, à oui. partir de, de tout ça, c'est le carreau, c'est de la corruption. Donc ces fonds-là ont été dilapidés et maintenant oui. on est arrivé là. Donc c'est des phases. Il faut rembourser Définitivement, il faut rembourser cet argent Eti. au Venezuela. Et finalement, c'est le peuple oui. qui, doit, qui doit rembourser oui, ça. Oui. C'est avec les taxes, l'argent, les impôts, etc. Mm, mm. Et euh, c'est très complexe en Haïti. Et, mais, mais finalement, il y a quelque chose qu'il faut voir à partir de cette question de, de l'affaire du Pedro Caribé. Dans cette question de la demande de la reddition de comptes, il y a même certains, euh, je dirais, euh, certaines personnes de, des gouvernements antérieurs donc, euh, qui ont, qui avaient mal utilisé cet argent, et maintenant, ces gens-là, ils sont encore il y a certains d'entre eux qui sont, en, qui sont encore là mm -hmm. et ça cause problème euh, au dénouement de ce problème. Mm -hmm. Maintenant, il y a un rapport qui a été publié euh, tout récemment. Il y a même, on va, on, va, on va en parler, il y a même le président qui, euh, son nom est indexé. Et au nom de la morale et de l'éthique, euh, la morale politique, le peuple demande, la société demande sa démission. Et, euh, et, et voilà, ils n'arrivent pas à, à tirer euh, la révérence. Mm. Alors, dites-nous un peu le, le quotidien des Haïtiens aujourd'hui dans ce contexte difficile. Je veux dire que euh, on peut parler de l'obscurité, mm. mais euh, au-delà de tout ça, on dirait que les paupières de ce pays-là euh, sont closes. Mm. Mais euh, derrière tout ça, il y, y a de la vie qui mm. existe. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ça, il y a l'Église aussi qui essaie de faire euh, des choses. Mm -hmm. Et exactement à travers des œuvres ou bien des organisations euh, comme, par exemple, la Caritas. Et euh, à travers, par exemple, pour les Jésuites, le service Jésuite aux réfugiés. Mm -hmm. Et avec Food for the Poor également qui est une organisation de, de l'Église qui travaille avec euh, presque toutes les paroisses en Haïti ou bien toutes les tendances. Que ce soit l'Église catholique, que ce soit église, les Églises protestantes, l'Église épiscopale et autres, voilà, et mm -hmm. toutes les communautés. D'accord, donc une Église mobilisée auprès de, de la population. De la population. Une population qui, qui manque de quoi aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses, des urgences particulières là Mais Définitivement, il y a une crise humanitaire, ou bien une, une catastrophe humanitaire, si on pourrait dire ça. Il y a un besoin besoin de l'eau, besoin de, de, de survivre, besoin de manger. Donc, c'est existentiel. Mm. À travers toute l'île À travers toute l'île. À travers tout le pays Tout le pays. Euh, le gouvernement a déclaré début février l'état d'urgence économique. Hein. Ben là, ouais. l'état d'urgence économique, oui. Mais finalement, il faut euh, se demander pourquoi. Pourquoi mm. faire mm. Est-ce que ça va euh, réellement. Euh, Est-ce qu'on va trouver des, des résultats à partir de, de ça Ben, ça fait quelques, quelques semaines. Donc, mais on est encore euh, face à ces problèmes-là. Moi, je ne suis pas sûr que euh, cela va, va apporter beaucoup de, de solutions ou bien va solutionner les problèmes. Mmh. Alors, euh, les, les évêques euh, ont appelé à trouver une solution de sagesse qui tienne compte des intérêts supérieurs de la nation et de la défense du, du bien commun. Quel est le, le positionnement de l'Église haïtienne face à cette crise ben, je, je ne sais pas si euh, je suis la voix autorisée pour parler de ça, mais je peux dire ce que je pense à partir de, de mon opinion mm. de ça. Les évêques eux-mêmes, ils ont fait euh, un communiqué mm. pour dire que l'heure est grave. Et moi, je dirais de préférence que l'heure n'est pas seulement grave, mais l'heure est arrivée. C'est le moment de créer du neuf c'est le moment de vérité. Et, mais est-ce qu'il y a vraiment une position de l'Église pour dire ce qu'il faut faire J'en doute fort. Alors, précisez-nous votre pensée. L'Église, elle est, elle est prudente Elle, euh, elle, est, elle se situe où Est-ce qu'elle est complaisante vis-à-vis -vis des autorités Voilà. Est ce qu'on dit, l'Église est toujours aux côtés du peuple. Mm -hmm. Mais c'est une Église prudente. Prudente pourquoi Si on prend par exemple la religion pour la paix la religion Alors, pour la paix est formée est une de instance, euh, une inter instance interreligieuse exactement une entité interreligieuse donc le président avait fait appel à la religion pour la paix pour voir comment sur la question du dialogue mm -hmm. mais entre opposition et entre opposition et euh, pas seulement l'opposition et le gouvernement oui. il y a les Petro challengers les jeunes également ben, qui sont dans l'opposition mm -hmm. mais pas, mais là, la question de l'opposition, il y a l'opposition radicale et ensuite il y a les jeunes, etc. Mmh. Mais euh, la, la religion pour la paix donc, euh, a refusé cet appel Pourquoi du président. Mais le président demande le dialogue. Il y a un problème de confiance. Pour quel dialogue Il y a mmh. beaucoup de gens qui ont peur de ce mot, le mot dialogue. Mmh. Alors, est-ce que c'est vraiment le mot Mais non, mais je crois que c'est le contenu, la substance. Le président veut un dialogue pour aboutir à quoi Un changement de gouvernement, mm -hmm. mais la société veut un dialogue réel, un dialogue franc pour changer le système. D'accord, donc c'est plus que changer le de gouvernement. Les Haïtiens veulent radicalement remettre à plat. De toute façon, il, faut, il faut. Avec la démission du président. Du président, il faut, ouais. il faut, il faut, euh, il faut changer la dynamique. Mm. C'est-à-dire que quand on dit changer le système, alors moi, je me suis dit que le problème n'est pas seulement de changer le système si on, il faut définir ce qu'on entend par changer le système. Si c'est pour, euh, si pour dire qu'il faut revoir notre manière de faire de la politique, ça c'est très bien. Mais je crois que le problème d'Haïti n'est pas simplement systémique, c'est une crise, c'est un problème humain. C'est-à-dire, quand je dis ça, oui. est-ce qu'il y a vraiment l'homme qu'il faut à la place qu'il faut C'est ça le problème. On peut être compétent, mais si on n'est pas à sa place, on ne pourra pas donner des résultats probants. C'est ça le problème. On évoquait la question de la jeunesse très engagée hein, sur ce qui se passe en ce moment. Je vous propose d'écouter euh, le père Jean Yves Urfier, qui est spiritain. Euh, il a été missionnaire en Haïti entre 1964 et 2012. Il nous apporte son regard euh, sur cette jeunesse haïtienne. On l'écoute. C'est surtout eux qui sont chômeurs, c'est surtout eux qui sont victimes de, de la crise politique et de la crise économique et ils ne voient pas d'issue. Il y en a beaucoup qui essayent d'arriver aux États-Unis, mais c'est très dur, surtout avec le gouvernement de Donald Trump qui est tellement opposé aux étrangers et qui a appelé d'ailleurs Haïti, hein, excusez l'expression, un shit hole. Donc il, il ne voit pas d'issue. C'est pour ça qu'il y a tellement de jeunes qui prennent les rues. Et par ailleurs, je trouve que c'est une, une jeunesse qui est très conscientisée au point de vue politique. Ils savent analyser les causes des choses et ils savent, par exemple, que la plupart des problèmes qu'ils ont euh, ont une source à l'étranger à cause de la proximité des États-Unis qui impose euh, sa loi au pays. Voilà, vous partagez ce, ce regard du père Hufier, père euh, Je partage un peu parce que je crois que euh, c'est une jeunesse haïtienne vraiment. Qui veut euh, voir comment améliorer les choses mm -hmm. pour que les jeunes puissent rester euh, au vous. pays, oui. chez nous, là-bas en Haïti, mais ne voient pas vraiment la vie ailleurs. Donc, je crois que ça, c'est bien. Mais la question toujours de penser que c'est de l'extérieur, les problèmes, ça arrive de l'extérieur, moi, je dis qu'il ne faut pas euh, trop penser euh, comme ça. Mm. Oui. C'est à nous, Haïtiens, de voir comment solutionner les problèmes. D'accord. Il faut oui. que ça se règle euh, en Haïti. À l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, avec les Haïtiens. Euh, euh, Même si alors, je ne veux pas dédouaner euh, une frange de la communauté internationale. Par exemple, si on prend l'exemple du corps groupe, moi, je crois que Haïti est vraiment un pays indépendant, mais. On attend encore l'indépendance euh, politique. Parce qu'on voit toujours les autorités euh, de l'État, ils attendent toujours quelque chose, ou bien le mot, euh, soit de la communauté internationale, pour savoir ce qu'il faut faire. Ça, une... Et là, c'est un problème. C'est une euh, tradition liée à cette histoire de ce pays, en fait. C'est une manière de, de penser, en fait, qui est liée à son histoire. Euh, je ne dis pas que c'est une manière de penser parce que ce n'est pas tout le monde qui pense euh, de cette manière ou ainsi. Je crois que là, euh, il y a souvent quand on arrive au pouvoir, si on n'a pas vraiment la légitimité populaire, eh bien il faut chercher la légitimité quelque part. Mm -hmm. Et je crois que euh, une manière de chercher euh, cette légitimité, c'est c'est de voir ailleurs, c'est-à-dire avec la communauté internationale. Mmh, mmh. Il y a la communauté internationale qui soutient actuellement le président mmh, de la République. À tout fait, dont les États-Unis en tête Les États-Unis, le corps groupe. Mmh, mmh. Je parle du corps groupe. Et voilà même la question du dialogue. Ça fait longtemps depuis que la société demande le dialogue. Mais le président, il a été toujours un peu réticent à ce dialogue. Mais maintenant, la communauté internationale demande. Le dialogue mmh. et le président... Donc, il, dit, il parle de dialogue et tout, voilà. – euh, Haïti qui importe 60% de ses besoins alimentaires, malgré un fort potentiel agricole, euh, pourquoi ce pays n'a pas pu déployer voilà, tout ce qu'il avait à apporter C'est parce que on exploite, on détourne ?– Moi, je dis que c'est parce qu'on n'a pas vraiment un projet de société. Mm. Et ceux qui arrivent au pouvoir, s'ils ont vraiment un programme politique, là c'est un problème. Il n'y a pas un programme politique vraiment. Qu'est-ce qu'il qu faut faire, père, pour euh, euh, que ça puisse changer et qu'il y ait des vrais, voilà, des vrais, un vrai projet pour votre pays Comment voyez les choses Mais je crois que ça doit passer par le dialogue. Le dialogue, euh, même si on a des ennemis, il faut dialoguer. Mais dialoguer sur quoi C'est dialoguer, c'est sur le pays, sur l'avenir du pays. Mais il y a une question de renfermement sur soi. Il y a certains qui disent que non, on va pas dialoguer avec le président, on va pas di dialoguer avec avec euh, avec, euh, avec euh, le premier ministre, mais il faut dialoguer. Par exemple, si on demande la démission du chef de l'État, et maintenant on voit que moi je ne suis pas partisan du chaos. Je crois que on ne peut pas régler les choses par la destruction. C'est-à-dire qu'il faut prioriser le dialogue. Pourquoi? Si le président lui même il n'arrive pas à remettre sa démission mais est ce qu'il faut trouver des moyens? Est ce que le dialogue ne peut pas être un moyen pour faire comprendre au président que voilà même pour la question euh, du pétro caribé que cette affaire là doit être réglée au niveau de la justice mais ce serait mieux qu'il démissionne d'abord et pour que cette affaire puisse faire le chemin, parce que son nom est indexé. Mm -hmm. Mais finalement, je crois que c'est à partir du dialogue. Il peut arriver à remettre sa démission. À, Pierre, voilà, à quoi sont appelés les, les chrétiens chez vous euh, quelle, quelle est votre espérance voilà, pour, pour ces chrétiens chez vous ben, De toute façon, comme je dis toujours, même dans mon livre, euh, Plaidoyer pour l'espérance en Haïti, Haïti est le pays de l'espérance et de la joie. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, on espère toujours, comme haïtien, nous espérons, nous voulons créer quelque chose, toujours créer du neuf. Alors moi je dis, être chrétien en Haïti, c'est être capable non seulement de parler, de dire notre foi, mais de dire une parole rassurante et aussi de voir... Comment vivre le vivre ensemble, c'est ça être chrétien pour moi. Le vivre ensemble, c'est pas seulement euh, dire, mais à partir de quoi, soit à partir des évangiles, de chercher le bien commun mm -hmm. ensemble. Mais il faut faire tout ensemble. C'est ce que je pense. Oui, il y a ce travail euh, éducatif aussi. Éducatif, parce oui. qu'il y a un problème. Moi, je dis il y a deux aspects qu'il faut retenir. D'abord, il y a en Haïti le problème de la mentalité, les habitudes. Les habitudes d'esprit collectif, je dirais. Et il y a le problème de l'autre, la représentation de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut voir comment le riche voit le pauvre, comment le pauvre voit le riche, comment le chrétien voit le vaudoisant et comment le vaudoisant voit le ou le, le, le chrétien. C'est ça. Mais il faut vivre ensemble. C'est ça l'altérité. Mm -hmm. Merci beaucoup, Père Emmanuel Saint-Hilaire. On va évidemment continuer à suivre dans nos éditions ce qui se passe dans votre pays. Merci. Merci également. Cette semaine, dans l'actu des églises, on revient sur trois événements. Tout d'abord, le sommet pour la protection des mineurs. Il s'est tenu du 21 au 24 février au Vatican, en présence autour du pape, des présidents des conférences épiscopales du monde entier. Durant ce sommet historique, eh bien, les évêques africains ont été plutôt discrets dans les médias. En effet, les abus sexuels sont encore tabous dans les pays d'Afrique. Souvent, les cas sont résolus au niveau de la famille ou des communautés. Ce sommet a permis euh, en tout cas des prises de conscience, comme pour monseigneur Joachim Ntahondé président de la conférence des évêques catholiques du Burundi, joint par téléphone depuis Rome. C'était des journées de grandes émotions, surtout à l'écoute des témoignages des victimes. J'ai pu prendre conscience de combien le problème pas, ne s'oppose pas seulement en Occident, mais que c'est un problème finalement qui s'oppose sous toutes les latitudes, dans tous les continents, les médias n'en parlent pas parce que les victimes elles-mêmes ne dénoncent pas, Et, mais aussi parce que il y a beaucoup de de cas d'abus sexuels sur les mineurs qui sont résolus au niveau des familles, sans les familles elles-mêmes qui se saisissent du cas aussi parce qu'ils ne veulent pas peut-être perdre la face face à l'opinion et pour régler ces problèmes entre elles et au sein d'elles-mêmes sans que les problèmes soient connus du grand public. Les évêques d'Asie solidaire des réfugiés Rohingyas. 40 représentants de l'église catholique de 11 pays d'Asie se sont rendus dans la localité de Cox's Bazar, à la frontière entre le Bangladesh et la Birmanie, une région où se concentrent de vastes camps de réfugiés ayant fui leur terre d'origine, la Birmanie. Cette visite était prévue dans le cadre d'une conférence internationale organisée du 11 au 17 février dernier. Tout en reconnaissant l'accueil du gouvernement du Bangladesh et l'assistance fournie par l'église et plusieurs ONG, eh bien, ces responsables religieux ont souligné la vulnérabilité de de nombreuses femmes et de nombreux enfants. Euh, cette minorité musulmane est au sein d'un pays très largement bouddhiste. Et bien, les Rohingyas sont plus de 740 000 à avoir fui la Birmanie depuis 2017 suite aux violences subies dans l'État birman de Rakhine où ils résidaient. En Centrafrique, le gouvernement et les groupes armés ont signé le 6 février un accord politique pour la paix et la réconciliation. Euh, plusieurs accords avaient déjà été signés depuis le début de la crise en 2013. Une commission vérité, justice, réparation et réconciliation doit être mise en place dans moins de trois mois. Alors, quel est le climat sur place Nous avons posé la question à Béatrice Epaille, Centrafricaine, ancienne ministre, présidente de la Voix euh, du Cœur, une fondation. Euh, elle était de passage à Paris il y a Jours. Le climat aujourd'hui c'est un climat de crise, ça on ne peut pas le cacher. Mais on est l'actualité c'est cette recherche de la paix, cet accord. Et cet accord aussi il faut que, comme il y a beaucoup d'acteurs, il faut que les acteurs eux aussi euh, s'entendent pour que cet accord réussisse. Donc euh, L'Église catholique a trop souffert dans cette crise et surtout depuis l'année dernière où on a vu les attaques d'églises, les décès, des, les assassinats des prêtres, etc. Et aujourd'hui, l'Église est partie prenante parce que tout le monde veut croire, tout le monde croit. Mais comme je disais, il faut vraiment une volonté, une volonté politique, une, vo une volonté de tous les acteurs, que tout le monde décide. Ou dire que trop c'est trop et que qu'on ne fasse plus ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Au revoir.